l'équipe Quadrino. Ouais. Où est-ce que vous en êtes exactement? Il est à peu près 1h du matin, il reste 8h de compétition. Bah, on est bientôt sur notre premier test sur le parcours. On est pas mal, okay. Vous êtes pas mal là? on est bon, on voit le robot ici sur la table. On est mieux que tout à l'heure. Ça, ouais, c'est... Parce qu'il y a 2 heures, on a eu un gros coup de stress. Hein, les moteurs étaient en train de nous lâcher, mais on a pas. Bah, c'est parfait. Niveau fatigue, ça va? Pépère, quoi, vous avez l'air serein là. Ouais, bah on a oublié ce que c'était, du coup. Et puis, non, c'est bien passé, c'est bien. Ouais, ouais. Bon, bah, merci. Bonne continuation et courage. Bonne nuit. Avec l'un des organisateurs de la compétition qui est en train de monter un robot de dernière minute pour pouvoir le tester demain. Tu as commencé à quelle heure de le monter? 21h. Et il est actuellement 2h45 du matin. Attendez-vous là à peu près, tu penses que tu vas arriver au dans au une heure, bout? Le robot est fini, après il n'y a plus que le programme. Bah ça c'est du bon boulot. Il n'y a pas à dire, bon, bah, je te souhaite un bon courage et un bon courage. Merci. L'équipe Girls and Robots, il est 1h du matin, où est-ce que vous en êtes? Alors bah, on a fait un premier passage, bon c'était pas très concluant mais on a reçu des bons retours pour améliorer ça, donc là on travaille pour le deuxième. Voilà. Ok, vous avez réussi à faire tous les à peu près toutes les épreuves ou vous avez des difficultés sur certaines épreuves ou... On a plus ou moins validé l'épreuve de la forêt et pour le reste ça devrait aller. D'accord. Il est où le robot? Il est là. Magnifique robot. Vous avez prévu une décoration pour la fin? Oui. On va le déguiser en princesse, du coup, mais là pour l'instant, vu qu'il est en phase de test, on a enlevé la décoration. Ok. Vous verrez ça sur la vidéo finale. Bah, j'espère bien. Niveau fatigue, ça va? Vous avez l'air un peu dépité là?
commence à faire long avec le voyage. Bah, faut tenir le coup. Encore 9 heures de... 8 heures du coup. 8 heures de compétition. De Superfo Paris. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette première journée de développement? Pour nous, elle était un petit peu compliquée au début. On arrivait avec un robot trop grand pour le parcours. Ouais. Avec, enfin, en plus, un robot avec trois moteurs, ce qui fait qu'on a dû le démonter, en remonter un autre et tout reprogrammer à deux moteurs et non à trois. Ok, donc le résultat, ça donne ça. Hein. On a le robot qui est assez massif quand même. Ouais. Il en jette. Assez customisé, tuning. Donc j'étais sur la Donc là, il est. Ça va. Donc là, il est 2h et quelques du matin, bientôt 2h30. Il reste 6h30 de code. Est-ce que la fatigue commence à prendre de dessus ou pas? Un petit peu, mais on tient. Mais oui, mais... Voilà. Vous allez tenir jusqu'au bout. Oui, de toute façon, là, la grande partie du code est faite, il faut juste l'assembler les différentes parties. D'accord, donc là vous avez quasiment tout fait, chaque zone du plateau, il n'y a plus qu'à faire un seul trajet. On l'a fait par objectif, tu fais une fonction qui suit une ligne, une fonction qui capte la couleur d'une ligne, une fonction qui fait sortir le robot, une fonction qui fait le demi-tour, une fonction qui va foncer dans le mur pour les différents challenges. Et après, il faut les regrouper les unes derrière les autres. D'accord, ok. Bon, bah, bon courage pour la suite. Merci. Et à demain. Merci. Ok, non, rien. Je plaisante. Nous, on représente donc la version NXT des robots. Et l'autre équipe de 3 représente la version. C'est un Arduino. Arduino, d'accord. Où est-ce que vous en êtes là à peu près? Il est 1h du matin, il reste 8h de compétition. Vous êtes plutôt bien, plutôt serein? On a géré pas mal de déplacements. Il nous reste en gros le suiveur de ligne et. Le tout début, parce que c'est le plus compliqué, on s'est dit on va se mettre à la fin. Pas forcément ok. Voilà, et ouais, ça se passe bien. Ça se passe plutôt bien, on est assez confiants. Ok. Niveau fatigue, ça va? Niveau fatigue, ça va. Au top. Vous avez carburé au café toute la soirée? Ah, ça aide. Ça aide. Ouais, c'est qui va gagner cette compétition alors, vous pensez? On espère de tout notre cœur. Exactement. Nous, l'autre équipe de 3, ça sera rien. Ok, bon, vous souhaite bon courage pour la suite et encore 8 heures, donc tenez le coup. We'll be right back.
Jérémy, tu fais quoi là à 2h35 du matin là? Alors à 2h35 du matin, je suis en train de faire les derniers préparatifs pour l'épreuve finale de demain, en corrigeant les quelques petits défauts que j'ai oubliés lors de la conception de vendredi soir à 1h30 du matin. Bon, c'est-à-dire samedi matin en fait. D'accord, ok. Ce qui est, je pense, excusable. Oui. Heureux de la compétition, sinon du déroulement, tout ça? Ouais, super content. Je pense que les équipes s'amusent bien. Elles sont toutes motivées. Donc ça, c'est super. Malgré l'heure tardive, bon, on en a perdu quelques-uns qui dorment un peu sur les matelas. Il y en a qui ont déjà sombré, mais bon, ça pourrait être encore plus en forme demain pour le show. C'est ça, mais toutes les équipes sont encore actives. J'espère qu'ils tiendront tous jusqu'à 9h. Ok. Parfait, bon bah courage pour le courage pour le montage et à toutes. Alors on est avec l'équipe Chucky Robot, il est 2h35 du matin. Quel est votre ressenti sur cette journée? C'est bien passé, des difficultés? Ouais, ça se passe bien pour le moment, mais ouais, là ça devient un peu dur. Là, un peu dur? Il y a la fatigue qui commence à se ressentir? Non, la fatigue, moi ça va, mais au niveau des capteurs et tout, on est un peu emmerdé là en fait. Surtout au niveau de capteurs de couleur, là j'ai une grosse merde, ce truc, c'est hyper chiant. Qu'est-ce qui se passe? Il capte pas la couleur, donc là il y a le robot. Bah en fait on utilise un timer, on utilise un timer pour le capteur de couleur, mais le timer en fait il est valable que sur les cartes Uno et au ultérieur ça marche plus en fait. Du coup il faut qu'on refasse tout le code pour gérer le capteur de couleur. D'accord, donc vous allez bientôt passer une phase de test non pour voir quand même ce que ça donne? Ouais, ou... bientôt ouais, je pense. Ouais, là, D'accord, ok. Il nous en reste 3. Bon, vous avez encore 6 heures. 6h15 avant la fin de la compétition. Je vous souhaite un bon courage. Merci. Bonne chance. Alors on est avec l'équipe Arduinian. Est-ce que vous avez un petit bilan à nous fournir de la journée? Il est à peu près 1h du matin, il reste 8h de compétition. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, ouais. Disons qu'il nous reste beaucoup de boulot, parce qu'en fait on a codé pendant plus de 10h, et en fait on n'a toujours pas réuni tout nos travail du coup. Du coup là je suis en train de tout réunir. D'accord, donc en fait vous avez fait plusieurs parties du circuit, mais c'est pas encore regroupé en un seul trajet c'est en fait. Ça, exactement. Genre, d'accord. On peut détecter les murs, on peut détecter les couleurs, on peut quasiment tout faire. Le seul problème c'est que par ACDC on n'a pas grand chose. D'accord, mais ACDC c'est bien aussi. Au niveau de la fatigue, ça va? Ah, on a la forme, hein. On est pas non, des petits joueurs. Vous avez la pêche? On a dormi 2h, ça va, tranquille. Ce soir on dort pas de toute façon. Ça fait 2h, ouais, on dort 2h. Jusqu'au bout. Ok, bah c'est nickel, merci. Ouais. Bon courage. Merci. Merci. Ciao. We'll be right back.
Thank you.